عزيزتي، بما أنه هكذا يجب أن تبدأ الرسائل، إذن عزيزتي، في حياتي كلها لم أكتب رسالة واحدة. هناك رسالة وهمية بقيت أقلبها سنوات طويلة في رأسي ولم أكتبها، فأمي لا تحسن القراءة وقد تحملها إلى أحد المتعلمين في القرية ليقرأها لها. كارثة. ثم علمت بأن القرية بكاملها أصبحت تحت الماء حين انهار السد عليها. لا أعرف إلى أين انتقلوا أو نقلوهم. السد الحديث التقنية بناه الرئيس لري الأراضي المتصحرة. ربما رويت لك قصة السد، لم أعد أذكر. ليس هذا هو الموضوع. الموضوع تقريبا هو تلك الرسالة التي كانت تدور في رأسي. كنت أنوي أن أكتب إلى أمي عن تلك اللحظة التي وضعتني فيها في القطار وحدي وأنا في الثامنة أو التاسعة من عمري. أعطتني رغيفا وبيضتين مسلوقتين. قالت إن عمي ينتظرني في العاصمة وإن علي أن أتعلم لأني أذكى إخوتي، وقالت لا تخاف لا تبكي. وأنا ينبغي لي القول خائف مرعوب وحيد مستوحش وعدائي مذ تحرك القطار، وعندي رغبة عميقة في إيذاء شخص لا أعرفه حتى لا أجد له أعذارا، شخص ليس لي أي نوع من الصلات به. أطلق رغباتي من دون استعمال عقلي، إذ يبدو لي أحيانا أن عقلي هو عدوي الأول. مستحرك ذلك القطار وهبطت علي ظلمة تشبه مغيب الشتاءات، لم أخف ولم أبكي، لكني غرقت في رائحة البيض المسلوق النتنة. كنت أريد رمي الرغيف ولم أجرؤ. كنا ما زلنا في الصباح الباكر لأنها أيقظتني بالقوة، لكن القطار بقي يسير في ذلك المغيب كأنه نفق طويل لا ينتهي. Ma chère, puisqu'il faut absolument que toutes les lettres commencent comme ça, alors va pour ma chère. De ma vie, je n'ai pas écrit une lettre. Il y en a bien une, imaginaire, que je tourne et retourne depuis des années dans ma tête sans l'avoir jamais écrite. Ma mère ne sait pas lire et elle irait la porter au premier type instruit du village pour qu'il la lui lise. Pitié. En plus, j'ai appris que le village est complètement sous la flotte depuis que le barrage lui est tombé dessus. Je ne sais même pas où ils sont allés ou dans quel coin on les a déplacés. Le barrage ultra-moderne que le président avait fait construire pour irriguer les terres arides. Je t'ai peut-être raconté cette histoire de barrage, je ne me rappelle plus. Mais la question n'est pas là. La question, en gros, c'est cette lettre qui me trotte dans la tête. Je voulais écrire à ma mère sur cet instant précis où elle m'a jeté dans le train, tout seul, à l'âge de 8 ou 9 ans, avec une galette de pain et deux œufs durs, en me disant que mon oncle m'attendait dans la capitale, que j'étais le plus intelligent de mes frères et que je devais m'instruire, avant d'ajouter « N'aie pas peur, ne pleure pas ». Or, il faut le dire, depuis que le train a démarré, j'ai peur, une peur panique. Je suis seul, farouche et agressif. Je ressens un profond besoin de faire du mal à quelqu'un, quelqu'un d'inconnu, pour ne pas avoir à lui trouver l'excuse, avec qui je n'aurai aucune espèce de lien pour pouvoir donner libre cours à mes pulsions sans en référer à ma raison. Car j'ai parfois l'impression qu'elle est mon principal ennemi, ma raison. Dès que le train s'est mis en marche. Oui, dès que le train s'est mis en marche, une obscurité aussi noire qu'un crépuscule d'hiver s'est abattue sur moi. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement sombré dans cette odeur fétide d'œuf bouilli. J'ai failli jeter la galette de pain, mais je n'ai pas osé. C'était encore tôt le matin, elle m'avait réveillé de force. Mais le train a continué à rouler dans ce crépuscule comme dans un tunnel sans fin.